Hello, hello, bonjour la famille Mbel officielle, j'espère que vous allez très bien, moi aussi tout va bien par la grâce de Dieu. La famille, je tenais à vous faire ces petites vidéos pour vous montrer les bases de mes produits corps et visage. Donc, comme vous pouvez voir là, ce sont mes gels douche corps, le Cavaillès, le Topicrème ultra hydratante. Donc voilà, c'est ça que j'utilise en fait comme gel douche pour le corps. Pour l'instant, j'en ai d'autres, mais je vous montre celle-là que j'utilise en ce moment. Comme vous pouvez voir à côté, j'ai des gels moussants pour le visage, les lotions et tout, les crèmes hydratantes. Voilà, les petits Marseillais qui est très hydratant, au beurre de karité. Voilà, les cacao butter. Voilà mes bases des produits corps. Voilà. Je tenais à préciser, comme je peux voir dans les commentaires, à ceux qui peuvent dire est-ce qu'elle décape la peau. Non, je ne me décape pas la peau. De nature, j'ai un teint quand même clair de naissance. Je ne suis pas de type de carnation noire de la peau. J'ai un teint clair. Mais comme vous savez, nous tous, dans les presque, pas tout le monde, mais presque tout le monde dans les passés, dans la jeunesse, on a eu à faire comme les autres, tout, à goûter un peu aux produits éclaircissants. Donc voilà, et surtout les produits éclaircissants, je n'encourage pas à utiliser ça parce que ça abîme la peau. Tout ce qui est fait à base de produits hydroquinones, ce n'est pas des bons produits, ce n'est pas les bons ingrédients pour entretenir notre peau. Donc voilà, ça sèche la peau, ça donne des fards, il n'y a rien de nourrissant dedans. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glycérine, il n'y a pas vraiment des produits de base qui peuvent vous aider vraiment à entretenir votre peau au naturel. Voilà, c'est pourquoi je vous présente tous mes produits, toutes les routines que moi je fais. Je vous montre pas des carolines dedans, non. Moi, j'investis dans tout ce qui est pharmaceutique et des produits de supermarché qui sont adaptés à nourrir la peau, à clarifier la peau, à hydrater la peau. Voilà, il faut savoir que lorsqu'on nourrit bien sa peau, on donne à sa peau une bonne nourriture, c'est-à-dire bien nourrir la peau, bien hydrater ta peau, elle permettra en fait de ne pas vieillir avant. Mais lorsque tu mets des produits éclaircissants, arrivé un moment, ta peau, elle va se dessécher, tu n'auras plus de couches de peau protectrice, ton épiderme, il sera vraiment asséché. Ben cela, ça va te créer en fait l'assèchement au niveau du visage. Tu vas apparaître vieux ou vieille alors que tu es encore jeune. Voilà, c'est pourquoi il est temps de prendre conscience, tant qu'il est encore temps, tant que tu n'as pas encore des fards, mamie, tout ça là, de pouvoir s'arrêter et de commencer à mettre en place une très bonne routine. Comme moi, j'applique une très bonne routine pour moi et ma famille. Donc voilà mes produits de base. Comme vous pouvez voir dedans, il y a de la vitamine C, il y a des crèmes solaires, il y a des crèmes pour le corps hydratant. Donc tout ce qui est dedans, c'est nourrissant et hydratant. Donc dans mes conseils vidéo que je fais, dans mes vidéos, je vous montre quel type de routine que vous pouvez introduire dans votre routine pour vous donner un teint désiré. Si vous avez un teint terne, peau sèche, tout ça, le problème de peau gras, vous verrez dans mes vidéos les conseils que je vous dis pour vous aider justement à prendre soin de votre visage. Si vous avez un teint noir foncé, comment prendre soin de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Marron, un teint caramel, un teint clair, tout et tout. Donc voilà, je ne conseille pas d'utiliser l'hydroquinone parce que l'hydroquinone, vraiment, il n'y a pas de bons produits dedans. Ça, vraiment, ça sèche la peau, ça détruit la peau, ça laisse des fards. Quand tu mets ça au début, tu vas voir, ça va t'éclaircir et tout. Tu vas voir que non, ça me donne une belle peau et tout et tout. Mais arrivé un moment, tu vas voir qu'il va commencer à avoir des imperfections et tout. Donc, pour éviter encore de dépenser beaucoup d'argent, mieux vaut partir sur des produits de base que tu vas utiliser, qui va clarifier la peau, avoir un teint clarifié, bien nourri, bien hydraté et tout, pour une longue vie de ta peau, surtout du visage et tout. Donc, voilà. Voilà la base de ma chaîne. Voilà. Je ne conseille pas les produits décapants. Je répète dessus et je tape la main sur la table dessus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Moi, comme vous pouvez voir dans mes mains, j'ai un peu certaines taches au niveau des doigts. C'est pas, des fois, ça paraît noir au niveau de la caméra. Mais si vous voyez bien, comme vous pouvez voir bien, j'ai pas de quinto. J'ai pas des quintos, mais parfois, à la lumière de la caméra, ça sort comme si c'était noir, mais c'est pas noir. Parce qu'on touche beaucoup d'eau, vous savez, ici, avec les enfants,
On doit laver les enfants, faire la vaisselle, toucher l'eau pour faire la serpillière, patati patata. Donc voilà, c'est ça en fait que je tenais à préciser. Et si on a le temps de savoir mettre toujours les gants pour protéger nos mains, c'est très important, et de faire des gommages mains et tout. La prochaine fois, je vous montrerai un produit qui enlève bien les taches au niveau des mains que j'ai trouvé à la pharmacie, que moi-même j'applique en ce moment, qui est super bien. Je vais vous montrer ça. Ça va vous aider à atténuer les taches au niveau de vos doigts de main. Donc voilà mes produits et tout. Donc voilà les produits que moi j'utilise. Là, je suis dans ma salle de bain, je suis en train de faire les ménages, nettoyer partout. J'ai profité de vous faire cette petite vidéo pour pas avoir de malentendus. Je vous aime mes abonnés, vraiment continuez à me soutenir. Ici, on fait des soins de visage, des soins de corps clarifiantes, pas décapantes. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, la famille. J'espère que j'ai été claire sur ma vidéo. Donc abonnez-vous, continuez à vous abonner pour plus de recettes maison, pour plus de recettes routine, visage, corps et tout. Quel produit est adapté? Qu'est-ce qu'on peut utiliser lorsqu'on a des démangeaisons au niveau du corps? Tout ça, je vais vous conseiller et tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.